Hey, salut tout le monde! Et là, je me rends compte que. Et là 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 là! Non, ça marchera pas. Ça va être de ton bord, c'est ma grosse poubelle. C'est pas super. Ok, donc ça va. Ok, donc je peux pas bouger, mais ça va. Donc, break à 221 qui s'est rempli à la vitesse de la lumière. J'avais dit à Hugo, je veux ces trois boîtes-là. J'ai envoyé une photo. Je lui dis là. Si. Faut remplir ça, ce break-là, là, parce que là, ça a pris 850 000 ans pour l'autre. Fait que là, on était comme, on va pas. Faut en remplir deux au moins dans une journée. Là. Fait que maintenant, un troisième. J'ai envoyé mes suggestions de boîte à Monsieur Savage. Et là, il va me dire si ça va marcher ou pas. Il va sûrement le faire. Il va sûrement le faire. Hein. C'est un ange, ce gars-là. Ok, donc là, on va commencer ça tout de suite. Puis pour Monsieur Leblanc, LP Leblanc, qui avait dit, hey, je veux une série 2. 19-20, voilà, t'es servi mon champ. Merci à Éric Desjardins pour cette peau fabuleuse, Man of Ice. Encore, hein, deuxième ce soir. Salut Fred Gagnon-Gignac, Double G. Et on y va, on va brasser ça. Et voilà. Ben, j'ai proposé trois boîtes, mais si Hugo m'entend, je pourrais écrire. C'est game d'écrire Hugo, ah, puis fais 4 boîtes, rajoute une série 1, 2021. Il va savoir de quoi je parle. Ouais. Et on y va. Final round. Je suis sûr que c'était beau, ok. Fait que là, j'ai envoyé ma blonde dire une quatrième boîte, là, une série 1, 2021. Et on va regarder ça, que ça donne. Et Jeffrey Marcotte se retourne avec les Bruins, les Sabres, Benoit Lévesque, Tommy Gagnon, les Hurricanes, Blackhawks, Éric Leblanc, Kevin Allard, Colorado, Blue Jackets, Max Brousse, Eric Hart se retrouve avec les Stars, Détroit, Patrick Morin. Non, ça, Détroit, Patrick Morin. Simon Doré se retrouve avec les Oilers. Simon, je sais pas si t'es là puis tu m'écoutes là, mais toi, faut que je te parle. Parce que t'as une Laffy, puis t'as pas pris d'assurance à 10$, puis envoyé ça à la poste de même. Oui, c'est le genre d'affaires que je ferais pas parce que. Puis en plus, le tracking, ça coûte 14. Nous, on l'offre à nos clients à 10. Parce qu'on veut leur offrir un bon service. Puis on veut être sûr que vous ayez vos cartes. On aime ça quand vous avez vos cartes. Fait que juste à te dire que quand une carte peut se vendre en haut de 200$, je préfère suggérer fortement de tracking. En passant, j'ai pas envoyé encore envoyé tes affaires. 2021, la série 1? Oui. Ensuite, Kevin Lachance, les Panthers, des Kings à Simon Blackburn, Sylvain Tremblay avec le Canadien. Ensuite, Maxime Guénard se retrouve avec Nashville. Devils, Jeff Côté, Max Legault, les Islanders. Les Rangers à Phil Grenier. LP Leblanc, les Sénateurs. Tommy Gagnon, les Flyers. Max Legault, les Pingouins. Dave Larouche, les Blues. Ensuite, on va poursuivre ça avec Led Lightning, Tampa Bay, Sylvain Tremblay, Sonny Dubé, les Leafs. Nicolas Fradette, gros team, le 19-20 là-dedans. Là. Mais là, qui ensuite, LP Leblanc, Capitals, Joe Nolan, Vegas, Coyote Jet, Carl Donnay, Eric Hart, Wild Ducks. Saint-Nosé, Calgary, Atomic Gagnon. Et là, par exemple, Colorado. C'est qui Colorado? Colorado, là, quand même pas pire. Montréal aussi, là, Colorado, là. Ouf, Kevin Allard, là. Petite Cal Makar, Gang-Gun, exclusive. Ouh. On dirait que quand je texte, je fais ouh. Ouh. Et là, est-ce que. Ok. De même, c'est mieux. De même, c'est pas mal mieux. Défilement, on va le changer. Et voilà, les copains, vous devriez le voir. Là. Ok. Et là, je vais tasser mon beau clavier pour faire place aux belles cartes. Donc, mais d'abord, ok? D'abord, je vais faire. Il y a deux paquets comme ça, là, des overtime. Là. Habituellement, ils les donnent en boutique quand on achète une caisse de série 1. Ils donnent un paquet par boîte que tu as acheté. Fait que là, on a ça. Et je vais. Les faire tirer tout à l'heure, on va les ouvrir, je vais faire un genre de. C'est quand on va avoir une redemption à la fin, la redemption artefact, là on va faire ça. Ok, donc j'ai pas perdu le pouvoir de la moustache, j'ai tous les pouvoirs en passant, Sébastien Paré. On va commencer avec la 1920 série 2. Ensuite, on va aller avec la SP 1920 et ensuite la artefact 2021. Je vais placer ça comme ça ici. Si les avoir à la vue, moi j'aime ça. Quand je suis au bureau. Je place en arrière. Quand je suis à l'autre bureau, je mets ça de main. Et les deux paquets Overtime, il y a quand même des bonnes cartes là-dedans. Là. Vous pourriez être très surpris là, parce que c'est des paquets qui sont plutôt rares parce que c'est juste les magasins qui peuvent en avoir.
Donc, ben les fournisseurs. Ok, donc, on commence ça. Bonne chance à tout le monde. Et voilà. On y va, on y va, on y va. Et là, Sébastien qui paraît, qui dit que j'ai. On m'a dit perdu le pouvoir de la moustache. Après ça, il a dit le perdu la beauté de la moustache. Ok, peut-être, j'avoue. Ma blonde, elle est contente. Ouais. Mais. J'avoue que quand je me suis fait après, j'étais un peu triste. Hein. Donc, bon break à tout le monde. Pat Morin qui dit ça. Donc, bon break à tous. Le karma, c'est bon. Bonne attitude. Altitude. Bio. Ok, donc là, les paquets, là, savez-vous qu'est-ce que je vais faire avec ça, man? Sérieux, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais se fier à la photo. Fait que, pis à ce prix-là, je l'ai vraiment pas mis cher. Il va y avoir une chrono, là. Fait que, venons voir sur le site. Mais bref, on va regarder là, mais la photo que j'ai envoyée, il n'y avait pas de chrono. Je vous le confirme. À ce prix-là, pas de chrono. Donc. C'est ça la. À combien? C'est pas. Celle-là? Non, c'est celle-là. C'est celle-là ici. Ah oui, c'est la 221. Ouais. Il y a la photo d'artefact. Il y a quelque chose qui connecte puis déconnecte. Donc là, juste vous fier aux photos tout le temps, ok, là, je sais qu'il peut y avoir des erreurs, là, mais c'est parce qu'il y a du copy-colle des fois, puis ça va vraiment vite, là. Donc, si jamais il y a quelque chose là-dedans, puis que là, vous dites, bon, ben, si c'est sa photo, moi, je me fierais toujours aux photos, là, mais si jamais vous faites comme, ben, moi, je participerais si, dans cette situation-là, vous direz, moi, je participerais seulement si... Il y a la chrono, puis vous avez vu qu'il y avait une erreur, posez la question, dites-le tout de suite qu'il y a une erreur. Comme ça, on peut y aller. Mais là, je te dis, là, juste pour être sûr, je vous le dis, là, à cause là, que le break 222 a vraiment pris du temps, moi, j'ai vraiment eu dans l'optique de, on fait un break pas cher. Oh, Nikita Gusev ici! Donc là, dites-vous là, que normalement, ce break-là coûterait plus que 31$. Là. Les gens qui savent combien vaut la série 2, là, la série 2 19-20, là, vous le diront là, comment qu'elle est chère. Mais et là, malheureusement, j'ai pas les bonnes. Non, c'est le prix aux autres. Ouais. Ils sont pas bonnes. Mais bref, désolé là, pour ça, je comprends que c'est plate là. Non mais il va falloir l'enlever. Non mais ça, c'est une erreur. Oui, je sais, mais il va quand même falloir que j'en ai d'autres. Yes. Puis Simon, toi aussi, il fallait que je te parle en passant. T'as vraiment une grosse carte qui s'en vient. Puis je l'ai pas encore shippé parce que je voulais te parler si tu voulais la faire cracker ou pas. Je pense que t'as, c'est-tu toi qui as la Queen Hughes SP authentique signée? Si c'est toi, c'est toi. Tu as une grosse carte, toi. Je sais pas si c'est celle-là. Mais bref, demain je vais te revenir. Là. Mais. Ça devrait être correct. Fait que tes calamitries seraient la meilleure. Et voilà. Désolé du délai.
Et on commence avec un petit jersey rookie material, Emil Bengtström. Bengtström ici pour Columbus, premier jersey. Et le premier jersey s'en va. Le premier jersey s'en va à Columbus. Ouais, sinon c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. Donc, peu importe que ce soit Suzuki ou que ce soit... Je te le conseille fortement de prendre le tracking. Ok. Là, ça, c'est trop gros encore. Ok, là, c'est correct. Et une Jack Hughes ici. O-Peachy. Quand même intéressant. Un petit O-Peachy. C'est sûr que c'est la blanche, là, mais quand même intéressant pour les Devils. Maxime Legault. Et là, le prochain break, 222, Hugo vient de dire qu'il venait de sortir, donc 4 boîtes. Ok. Donc, on sort un post à chaque semaine. Donc là, on a sorti un post hier jusqu'à 10h aujourd'hui. Je pense que sur le site, Simon, il y a encore... C'est encore disponible, tu peux acheter le tracking. Tu iras sur le site, puis tu checkeras, là, tu peux acheter le tracking, puis c'est 10$. Au lieu de 14, ça fait que tu peux l'acheter 10$ sur le site. Peut-être qu'il est encore en ligne. Parce que sinon, on le laisse habituellement juste une ou deux journées le temps qu'on fasse le ship, puis on le dit aux gens, on fait un post. Une corner! Bonneman, Yuri, rookie! Portrait, play Flyers. Et une canvas ici de Anders Lee pour les Islanders de New York! Maxime Legault, petite checklist. Les cartes sont vraiment collées, là, donc je vais essayer de le plus possible là, de... C'est ça, c'est difficile, là, ça vient en paquet 2, fait que... Pas spoiler les cartes, c'est ça que ça donne. Il y a 3 cartes collées. Là. Une Rasmus Sandin ici, recrue de renom, série pour Opechi. Donc aujourd'hui, les secondes chances, ça a roulé au toast. J'ai fait le calcul final, on disait oh, à peu près 100, à peu près 1500$ de crédit qu'on donnait aux gens. Finalement, on a donné plus de 1600$ de crédit. C'est quand même assez incroyable, hein? 1600$ de crédit. Donc demain matin, tout le monde devrait avoir reçu le courriel. Avec leur code promo, ceux qui ont gagné. Tyra Rosé, Yuri, Portrait Rookie. Checklist. Et notre deuxième Young Gun pour les Rangers de New York, Ryan Lindgren. Est-ce que c'est le frère de Charlie? Je pourrais pas dire, ça se pourrait en plus. Charlie Lindgren. Ryan Lindgren. On va sortir un autre très beau petit. Et voilà. Une canvas de Elias Pettersson. Donc lui qui est à sa deuxième année lors de la 19-20 pour les Canucks, Nicolas Fradette. Une OPC, Matt Duchesne pour les Prédateurs de Nashville, Maxime Guénard. Et on a justement deux Young Guns jusqu'à présent, on doit en trouver 6. On a une Capo Caco, la recrue de renom OPC. La variation bleue. Très belle carte, ça. Nice. Donc Steve Robitaille qui est au 222, il sort dans pas long. Inquiète-toi pas. Avec 4 belles boîtes que j'ai choisies, j'ai dit Hugo, c'est celui-là que je veux.
Ouh, une petite Jack Hughes ici, recrue de renom, donc et la gold. Un genre de un peu plus bronze que gold, là, mais. Là, une variante. T'sais, c'est la variante la plus cool. Là. Mieux que la bleue, en tout cas. Puis la blanche. Puis la grise. Donc c'est ça, donc ceux qui sont pas familiers avec ça, on a fait jusqu'à 150. Demain, j'ai promis que j'en refaisais encore une trentaine. Donc c'est fou, on va faire plus de 3 000 $ même en 2 jours. Recrue de renom, Tobias Beerfoot. Et ensuite, c'est ça, fait que là on est rendu à 150. Donc ceux qui sont pas, qui connaissent pas ça, qui sont nouveaux, qui en ont jamais vraiment vu. C'est si vous avez rien hit, une petite blood burn ici, UD Canvas pour les Sharks de San Jose. Si vous avez rien hit dans votre break, donc que ce soit recrue, signé auto, vêtements, patch, numéroté, rookie, vous êtes éligible à notre. Oh, notre troisième Young Gun, Nikolaï Kropotkine. Okay, non. Ça aurait été mieux de me laisser. Je vais aller voir là, si on n'est pas d'autres. Oh, c'est mon dernier, il m'en reste juste un. Ben, vous regardez les vidéos, là, si vous voulez savoir si vous êtes éligible, vous regardez le numéro du break, là, si tu veux savoir dans le 222, quand on fait le tirage 222, tu vas voir si ton nom est là. Si tu gagnes, c'est sûr qu'on te tag. La vidéo, il est sorti là, mais non, on n'écrit pas aux gens pour leur dire quand ils sont éligibles, là. Déjà que c'est beaucoup de gestion, là, ça nous prend à peu près... Et juste faire ça, là, tantôt ça me 30 breaks, ça m'a pris à peu près 4 heures, puis j'ai même pas encore rentré les certificats cadeaux. Fait que non, on n'avertit pas. Je veux dire, si tu rites rien, tu joues ça, là, tu regardes le break, puis tu joues ça, là. Mais si tu gagnes, inquiète-toi pas, tu vas le savoir. Fait que c'est ça. Fait que. Mais. La seconde chance va toujours continuer, mais il va y avoir comme une nouvelle variation là, éventuellement. Je pense que vous allez l'aimer. Justement parce que. Crème, c'est plate. Oh, t'sais, Nazem Kadri ici au Pitchy. Pink! Pour le Colorado, Kevin Allard. Donc, c'est ça, Sylvain. Ça, c'est quelque chose qui est apprécié, mais qui est super exigeant. Puis on a de la misère à fond. Ouh, nice one! Une Young Gun Caden Primo pour Montréal, Sylvain Tremblay. Sylvain Tremblay, justement. C'est Caden Primo Young Gun. Imagine que tu te retrouves avec la Suzuki en plus. Ça serait insane. Ça serait insane in the membrane. Comme dirait Cypress. Il y a une Barrett Hayton UD Portrait Rookie pour l'Arizona et le reste c'est des bases. On y va. Il nous manque toujours, je pense qu'il nous en manque deux Young Guns. Toujours deux Young Guns qui manquent. Ouais, là, une petite Cal McCord. Une Victor Olofsson, UD Portrait Rookie. J'en ai jamais sorti. Fait, j'ai jamais fait de série 2, je pense. À part dans les tins. Fait, j'ai jamais fait de série 2 hobby. En break. Donc, ça serait fou. Une petite Daniil Yurterkin. Pour les Sharks. Ce serait fou, une petite Suzuki ou une McCord comme baptême. Let's go.
Et on a une Joel Pearson ici pour les Oilers d'Edmonton. Edmonton, Simon Doré. Donc Simon, si tu nous écoutes, je rappelle. Si tu ne nous as pas écrit d'ici demain, on va envoyer ta carte de Lafrenière par la poste normale. Moi, je te dis que faut que tu sois au courant que tu dois peut-être prendre un tracking parce que c'est une belle carte là. C'est ce que je te conseille. Juste nous dire non, ça m'intéresse pas. Après, Cinq, il nous en manque une. Il nous en manque une, puis là, la bonne est là-dedans, je vous le dis. Ok, bon, on a une Sidney Crosby. Canvas pour Pittsburgh. Très belle carte. Maxime Legault. Nice one. C'était Sid the Kid. Et là, en dessous, les paquets sont restés collés. Fait que je vais aller voir s'il n'y avait pas quelque chose là-dedans. Non. Comme les cartes base collent, mais pas sur les hits. Et il nous reste une Young Gun. Elle est ici. Et c'est une Julien Gauthier. Donc lui qui appartenait au Hurricane. Qui est maintenant rendu avec coéquipier de Monsieur Lafrenière. Julien Gauthier. Un Québécois maintenant partenaire à New York avec Monsieur Lafrenière. À Caroline, c'est à Tommy Gagnon. Et une rookie, recrue de renom au Pichy, Jacob Lilja. Lilja, donc pour les Columbus. Donc tu vois comme celle-là par exemple, les rookies au Pichy qu'on a eu, ils comptent pas comme des hits. Les rookies dans le fond, c'est comme les rookies de base, des paquets. Fait que la rookie ici, c'est la Young Gun. Fait que si vous avez une Young Gun, vous êtes peut-être pas partie de la deuxième chance. Puis, c'est ça. Mais la OPC qu'on a là-dedans, ça compte pas. La UD Portrait Rookie, ça compte pas comme un hit non plus. On va reculer ça tout de suite. On a de l'espace pour nos belles SP, nos belles Future Watch signées. Notre belle Future Watch Auto Patch. Très beau ça, une petite Auto Patch. Hein? Commencer avec une petite Untantic Moment ici, je le vois bien. Et non, c'est une petite Patrick Kane update pour Chicago. Une Untantic Moment Sid the Kid qui marquait 1200 points. Donc deuxième petite Sid the Kid insert pour Max Legault, qui a les pingouins. Et là, je pense qu'on va avoir une petite update de Alexander Georgiev, gardien des Rangers de New York. Et c'est des bases. Fait longtemps que j'ai pas eu une petite auto-patch. Let's go. Là. On est dû. Là. Une petite Chandler Stephenson. Update. Base. Une SP essentielle de Miro Heiskanen pour les Stars de Dallas et Eric Hart. Premier hit pour Eric ce soir. Qu'on salue. Qu'on remercie toujours de sa présence. John Gibson. Et le reste, c'est deux bases. Donc, on a fait 6 paquets. Et on a toujours pas eu notre signature.
Et on y va. Une ISP Ricotte Kanyemi SP essentielle pour le Canadien de Montréal et Sylvain Tremblay. Imaginez. C'est là-dedans qu'elle est, là, la Suzuki Auto. Là. Dans cette boîte-là. Là. Voyez donc. Là. Une Limited de Jacob Slavin pour les Kings de la Caroline. Notre bon chum Tommy Gagnon. Et on a une Authentic Moment de Jack Hughes qui se faisait drafter en compagnie de Monsieur Brodeur. La légende. Et on ouvre trois autres paquets. Et là, on va voir. Là, on a fait de la moitié du paquet. Ou qu'on a fait la moitié de la boîte. Et j'imagine qu'elles vont se cacher dans les derniers paquets là-bas. Et on a une petite Young Gun ici de J.C. Baudin pour les Sénateurs. Ils ont mangé une volée hein, contre Winnipeg hier. Ouf. Contre Winnipeg ou contre Calgary qu'on mange une volée, là, normalement. Là. Donc, à chaque fois que tu parles de Suzuki, je veux vos mains de stress. Je te jure. Je te jure, ça s'en vient peut-être. Là, parce que tes chances sont pas mal dans cette boîte-là, ce qui reste. Là. Parce que après ça, on tombe dans l'artefact et là, il est plus rookie hein, depuis cette année. Il est plus rookie. Hein. Fait que là, c'est là sa grosse année là, à avoir. Là. Une Authentic Winner pour Jonathan Toews et Éric Leblanc. Donc, Capitaine Canada. Comment on le surnomme? Mais là, je pense que c'est. Je pense que c'est là. Je pense que c'est là. Et ouf! Nice one! Et là 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 là! Une Morgan Frost pour les Flyers de Philadelphie. Tommy Gagnon. La Future Watch de Morgan Frost. Nul autre que le gros prospect des Flyers. Nice one. Philadelphie, Tommy Gagnon. Et voilà, et le reste c'est des bases. On va aller voir pour les prochaines. Il nous manque une signature. Ça va être une future watch ou ça va être une Sign of a Time. Ou comme on a eu la dernière fois, une régulière, une carte, une base signée. Fait qu'au lieu d'être en argent, le logo SP, il est en or et c'était Darren Strom qu'on avait eu. Donc. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir là, comme deuxième signature. Là, je vois qu'on a une Spectrum ici. Alors, les six derniers, on va les ouvrir demain. On a une Evgeny Malkin pour les Pingouins. Spectrum et les deux autres, c'est des Base. Ensuite, prochain paquet. Six paquets seulement. Et je pense qu'on a une autre. Non, on n'a pas de future. Je pense qu'on a une Sign of a Time. On a une Future Watch ici, sur 999, elle n'est pas signée. Pour les Bruins de Boston, Jack, Stunica, juste pour être certain. Pour Boston, Jeffrey Marcotte, base. On est toujours à la recherche de notre dernière signature. Ou Patch, on prendrait ça aussi. Ouh, une Future Watch. La signée en plus en doré de Joël L'Espérance pour les. Nice. Ça, c'est un short print. Donc, pour Dallas, le gros hit, là, Eric Hart, là, c'est une super belle carte. Je comprends pas pourquoi j'ai pas jamais à tonne. Future Watch, Joël L'Espérance, le défenseur. Signé. Oh non, c'est une belle petite carte là. Donc, un petit short print en plus, nice. Donc, pas numéroté. Fait que, super short print. Et on va prendre la place de nos Young Guns, hein, bien sûr. Je vais regarder pour être certain. Qu'elle soit pas numérotée. Non. Donc, ça s'en va ici. Et en dessous, c'est des bases. Est-ce qu'on nous réserve une surprise et on a une troisième signature? Ça serait agréable, hein? Ça serait bien agréable, hein? Une espèce essentielle de Matthew Tkachuk ici, pour les Flames de Calgary.
Il reste seulement 6 spots dans le break 222. Pour ceux qui sont intéressés. Et en passant, Eric, Sylvain Tremblay serait preneur pour ta carte de Joël d'Espérance. Une top date de Blake Coleman pour le Tampa Bay Lightning. Base. Une limited Jesperi Kotkaniemi pour notre ami Sylvain Tremblay. Donc deux. Oh! Ouh! J'allais passer à travers ça. Et on a une troisième signature pour les Sharks de San Jose. Une Timo Meier, les Sharks de San Jose. Qui prend la sign of a time. Oh là là. Trois signatures, ça va. Il nous garde ça pour la fin en plus. Il nous garde ça pour la fin. Tommy Gagnon. Après la Future Watch de Morgan Frost, on trouve avec une autre signature maintenant. Celle de Timo Meier. Et ça, je vais te placer ça sur un beau gros examen. Prenez ça là de même. Check ça. Chic. Prenez des photos. Les photos sont là pour se faire prendre en photo. Let's go. Donc, on y va avec l'artefact et la dernière boîte qui nous reste seulement. Hey, Tommy, c'est moi qui te remercie. C'est le karma, hein, et puis c'est aussi les probabilités. Fait que tu tombes souvent sur tes bonnes. C'est vrai que tu participes beaucoup, mais je vois rarement ton nom dans les secondes chances parce que c'est comme si tu hitais quand même à chaque fois. Puis même quand tu prends beaucoup de spots, tous tes spots y hitent ou presque. Donc, j'allais dire, c'est de la. Ça va bien, t'as de la chance, mon ami. T'as quand même deux des grosses signatures, puis t'as pris trois spots, t'as pas pris toutes les spots, là. Nice! Donc, le Louis Leblanc qui aimerait savoir une petite studule. Avoir une petite carte Redemption, Rookie Rendition de Ottawa, hein. On va aller voir en dessous, on a deux bases, la Tristan Jarry et la Peter Mrazek. Avec un loafer. Ensuite, la Logan Couture, on a une Mickey Anderson, rookie, sur 299. La variation dorée, là, ici. Donc, moi, je l'appelle doré. Est-ce que c'est doré ou c'est pas doré? Donc, LA Kings, la 144e print pour Los Angeles. Simon Blackburn. Une base de Toukarasque. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Une Tristan Jarry sur 20 seulement. Et je pense que ça mérite au moins que je mette ma petite face de Oh my God. Parce que on s'entend. 20 prints, c'est pas beaucoup. En plus, c'est le gardien d'avenir là, pour les pingouins. C'est sur lui qu'ils mettent toutes leurs pommes. C'est quoi l'expression? Hein? Espoir? Non, pas espoir. Non, genre, tu mets toutes tes billes. Dans le même panier? Ouais, je pense que c'est toutes tes. Ils ont toutes misé leurs billes. Je pense que oui. Donc, les pommes dans le même. Les billes. Les billes. Les carottes? Les billes. C'est pas les billes. Ok, donc là, on va avoir une petite rendition. Il a pas misé. C'est pas mettre. Je parle pas de mettre dans le même panier. Ah. Je dis d'avoir misé. Miser quelque chose, c'est miser toutes ces billes. Je suis bon. Non, c'est pas les. Retro Rookie Rendition! On va faire tirer ça tout à l'heure. Et là, savez-vous quoi? Ça a marché l'autre jour. Et là, je le feel. Est-ce qu'on va avoir notre ami Lafrenière? Fois, ça a marché deux fois qu'on l'a fait. Et c'est papa en tout ça, je l'ai eu en plus là. Max Domi artefact. Jersey! Mais bon! Lui doit bien s'entendre avec Tort, hein. Ça doit être le parfait bonheur. En tant qu'il jouait pour les Hurricanes. Les Coyotes.
petite base ici de Timo Meier. Et ensuite, on a une Sean Monahan pour les Flames de Calgary sur 299, la 271e print. Ils sont vraiment belles les cartes. Honnêtement, là, les, surtout eux autres, là, cette couleur-là, là, je les trouve vraiment belles. On dirait des gladiateurs. Donc, je rappelle qu'il reste quelques places dans le prochain break. Dans le prochain break, 222, ou dans la nouvelle, il restait 6 places il y a 5 minutes. Il en reste sûrement moins que ça. Une Jakub Voracek ici, numéro 93 sur 99. Les deux autres, c'est des bases. La numéro 92. Le numéro 93. La carte 92. Flyers de Philadelphie. Il reste juste 3 spots. Fred Gagnon-Gignac, c'est sûr qu'il participe, lui, à le voir aller, là. Il est arrivé enthousiaste, en plus, tantôt. J'imagine qu'il avait le goût de breaker. Ok. Pas mal sûr que... Là, on va avoir une autre rendition à l'intérieur. Et c'est... Une rookie rendition! Et ça mérite qu'on mette celle-là. Hein? Ça mérite qu'on mette celle-là aussi, là. Cette carte-là, là, Rookie Rendition, c'est que tu dises des rookies qui jouent cette année, OK? Donc, t'as une chance sur trois que ce soit Romanov. J'imagine que ça ne sera pas... C'est sûr que c'est Romanov. C'est sûr que c'est Romanov, mon chum. Eh oui, et ça, c'est beaucoup de monnaie dans ta main, mon chum. Donc, et ça, je vais la garder de côté. On va regarder la prochaine carte. Et là, c'est une carte tick. Je pense que c'est une rookie. J'ai juste ça à chaque fois, puis ça n'en est pas une. Fait que... Non, mais je pense pas que c'est des... Je pense pas que ça peut être... Je pense pas que c'est des rookies de la... Je pense pas que c'est des rookies... qui ont été dans la série 1 parce qu'ils ont déjà signé. Tu sais, Mickey Anderson, il a signé. Gabriel Lodi, ils ont tous signé. Fait que j'imagine, tu sais, la première a signé. Fait que j'imagine que Jack Evan, il a déjà des signatures de fait, il l'aurait mis. Vous comprenez? Fait que je vois pas pourquoi ça serait autre chose. Mais ça se peut, le Upper Deck, ils sont... Et on a une Mikko Rantanen sur 60... La 75e print sur 145. Pour nos amis du Colorado. Et c'était la dernière carte. Donc, Kevin Allard... qui se retrouve avec la dernière carte du paquet. Non, de moins, on a double jersey ici sur 145. Et là, on va aller faire tirer la carte Retro Rookie Redemption. Et en même temps, les deux puis troisième ont gagné chacun un paquet que je vais breaker devant vous. Que je feel loose. Je feel loose. I feel loose comme Fook loose. Et là... Faites comme au bureau pour vrai, là. Ok, c'est bon. Ça change tout quand je clique des doigts. Mm-hmm. Et le 222 est close. Donc, on va faire ça rapidement. On va copier-coller ça. New giveaway. Et voilà, et voilà. On va mettre ça comme ça ici. Et on va coller ça ici. Copy rendition. Donc, Retro Rookie Redemption Break 221. OK. Donc là, en passant, le premier en haut va gagner la carte Retro Rookie Redemption et les deux autres, 2 et 3, vont gagner le paquet de cartes que j'ai ouvré. Donc, on va brasser ça, les deux. J'ai-tu raté? 5. Donc, on y va 5 fois. Et qu'est-ce qu'on a? Le premier gagne la carte Edward des paquets. Caldounet, tu remportes la carte Retro Rookie Retro Rendition. Donc, tu peux prendre un morceau de tête et écrire Caldounet, Kevin Allard et Tommy Gagnon. Vous avez chacun votre paquet que je vais ouvrir là, là. Fait que Tommy Gagnon, Kevin Allard. Tommy Gagnon, Kevin Allard. Donc, on va commencer avec celle à Tommy. Donc, Tommy, tu vas, je t'ouvre celle-là. Fait que les cartes sont là-dedans, s'en vont chez vous. C'est des belles cartes quand même, imagine, on tombe sur quoi de fou dans la tête, ce serait le fun. Une petite overtime, parce que c'est l'overtime. On connaît une petite base ici, Alex DeBrinka.
On va aller en dessous parce que ça va être une autre base. Non, c'est pas une base, on va aller là-dessus. Et on a une petite base overtime pour Dunning Grimble. Une Austin Wagner. Donc la variation bleue. Et une William Carlson Center of Excellence ici. Donc William Carlson. Nice one. Donc ça, c'en est une belle. Là maintenant, on va faire ça. Kevin Allard, ça c'est ton paquet à toi. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai hâte de voir. On a une rookie, Gage Queenie pour les Golden Knights. Une Alex Dabrinka comme notre chummy. Est-ce une différence? Non, je pense pas. Non, c'est pareil. Donc, même que Tommy. Une Dylan Gambrell. Et on a une Center of Excellence, Sean Monahan, pour toi. Donc, ça s'en va chez vous, ça, les gars. Donc, Kevin Allard. Ces quatre cartes-là, et les autres, c'est ça. Donc là, si je récapitule, parce que là, moi, je vais faire quand même un top 3 de mes hits là-dedans, là. Fait que je vais commencer ça. Pendant ce temps-là, si vous voulez me regarder, regardez-moi. Sinon, dans pas long, le break 222 sort. Mais il est sorti, il est déjà plein. Je vais le mettre en ligne dans pas long. Donc, qu'est-ce qu'on a eu qui était bon dans ce paquet? D'abord, on a eu une petite Tristan Jarry dans l'artefact sur 20 seulement. Très belle carte. Une Rantanen sur 145, la 75e. La Thread of a Time artefact de Mark Domi. On a eu quelques bonnes Young Guns. Joel Person. La Kaden Primo, mention spéciale. Que je l'appelle aussi parce que c'est une mention spéciale. Grosse carte. Nikita Gusev, Julien Gauthier, Nicolas Poffsien, Lyron Lingen et JC Baudin. Une rookie matérielle pour les Blue Jackets. Et là, on arrive pratiquement dans mon top 4. Dans mon top 3, ok? Donc, on va faire une mention spéciale à la Sang of a Time, Theo Maier, qui va terminer en 4e position pour les Sharks de San Jose. En 3e position, je vais la placer là parce que je sais pas si ça va être celui que je pense. En 3e position, je vais mettre la Rookie Rendition parce que j'ose croire que tu vas avoir une Rendition, une petite signature de Romanov, ok? Donc, la place en 3e position, ça va être en première. En 2e position, la Joël L'Espérance, Short Print. La recrue, la Future Watch, Short Print en or, Joël L'Espérance. Et la première position, une Morgan Frost Future Watch sur 999, signée la 230e pour les Flyers de Philadelphie. Donc, je m'en vais préparer le break 222. On se voit dans quelques instants. Donc, disons 10 minutes, là, puis c'est ça. Mais ça va être le dernier de la soirée, je vous avertis. Je vais me coucher après. Gros journée de match. À bientôt! À tantôt!